Les gens ne savent pas ce qu'est l'Union européenne. Ils ne savent pas qui la gouverne, ni comment. Mais ils savent que ce ne sont pas des élus du peuple. Puis, quand ils constatent que les résultats sont médiocres, ils se demandent, la faute à qui ? Sans pouvoir y répondre, puisqu'ils ne savent pas qui sont ces gens. Quand j'ai débuté comme jeune activiste, j'étais loin de me douter que je finirais observateur de la machine bruxelloise. J'ai été surpris par la fragilité du processus décisionnel en politique et par la facilité avec laquelle on peut le manipuler. Tout cela cache en fait un pouvoir obscur, une industrie tout entière qui opère discrètement dans l'ombre. Ce pouvoir, ce sont les lobbies. Je me bats pour découvrir la vérité depuis 20 ans. Qui sont ces gens qui tirent les ficelles de l'Union européenne? Comment opèrent-ils? Et quels sont leurs liens avec l'élite politique européenne? Allô? Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Raphaël, s'il vous plaît? I'd like to speak to Raphaël, please. Ah, il n'est pas là. Eh bien, j'aimerais lui laisser un message pour demain. Je souhaite simplement confirmer notre réunion. Mon nom est Kerneis. Pascal Kerneis. K-E-R-N-E-I-S, c'est ça. Du European Service Forum, ESF. Nous avons rendez-vous demain, mais je n'avais pas encore eu le temps de confirmer. Voilà pourquoi je vous appelle maintenant. Ok ? Oui ? Merci beaucoup. Au revoir. Bruxelles est une petite ville, une ville provinciale, mais seulement en apparence. Quand vous commencez à bien la connaître, vous vous apercevez que c'est ici que ça se passe. Les affaires se font ici, les lois aussi. Je pense que presque 80% des lois qui touchent directement les citoyens européens sont élaborées ici, à Bruxelles. Si vous observez la topographie de la place Schuman, le centre névralgique de la politique européenne, vous voyez la Commission d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre. Et tout autour, vous avez les bureaux de lobby dont la plupart appartiennent à de grandes multinationales. Il y en a aussi dans les petites rues adjacentes, jusqu'au Parlement européen et même au-delà. Vous trouverez les sièges des lobbies de grandes sociétés. Vous comprendrez que ces groupes de pression et leurs activités sont gérés depuis ces bureaux. Bruxelles abrite 2500 structures de lobbying, 15 000 lobbyistes, le deuxième pôle de lobbying mondial. Seul celui rassemblé à Washington DC est plus important. Donc le système législatif de l'Union européenne est très complexe. Il comporte de nombreuses étapes. Tout part de la Commission européenne. On y discute des initiatives en matière de législation et de politique avant de les transmettre aux institutions telles que le Parlement et le Conseil des ministres.
Et quand la Commission européenne travaille sur de nouvelles lois ou de nouvelles politiques, l'industrie veut avoir son mot à dire. L'administration, ce n'est pas vraiment mon truc. Quand j'ai eu l'opportunité de passer dans le secteur privé, là où je pourrais décider de mes propres actes, je me suis dit que ça me correspondrait mieux. Ensuite, j'ai découvert le business des institutions européennes. Et je suis devenu lobbyiste. Vous savez, tout le monde croit que les législateurs sont les institutions. Que les institutions de l'Union européenne sont la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen. En réalité, tout cela cache un autre monde. Des gens qui poussent les institutions à rédiger un texte, appuyer une bonne idée, proposer des amendements, peaufiner un texte en fonction des intérêts défendus. Le lobbying était initialement envisagé comme une bonne chose. Les parlementaires ne peuvent être experts dans tous les domaines où ils travaillent. Ils s'appuient donc sur des conseillers. Mais le lobbying est devenu avec le temps une affaire de mercenaires. Maintenant, nous avons des personnes qui ne sont expertes en rien, mais qui sont payées par des clients afin de servir des objectifs précis. Ce qui les rend si efficaces, c'est que bon nombre de ces conseillers s'appuient aujourd'hui sur leurs anciens contacts. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. Par exemple, un ancien homme politique ou un ancien fonctionnaire se fait engager par les mêmes lobbyistes avec lesquels il travaillait lorsqu'il était en poste. C'est de là que vient la corruption. Quand argent, lobbyiste et législateur se combinent, alors la corruption est inévitable. Au milieu des années 90, nous avons relevé plusieurs exemples de politiques de l'Union européenne influencées par l'industrie et ses groupes de pression. Pour nous, c'est un grave problème. L'influence de l'industrie est excessive. Nous avons donc décidé de créer un groupe dont le but serait l'information et le développement d'une stratégie visant à réduire cette influence. Voilà comment nous avons démarré.
Un beau jour de l'été 1993, nous avons reçu un fax au bureau. Il venait du sud de la France et était envoyé par un groupe d'activistes locaux. Ce groupe luttait contre un projet d'autoroute qui devait traverser la vallée où ils vivaient, la vallée d'Aspe, une magnifique région d'une importance capitale sur le plan écologique. Ils nous demandaient si nous savions quel rôle jouait l'Union européenne dans ce projet, et plus particulièrement la Commission européenne. Nous avons fait des recherches sur le sujet. Nous avons découvert que ce projet faisait partie d'un ensemble plus vaste appelé Réseau Transeuropéen. Les réseaux transeuropéens formaient le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire, avec un budget estimé à 400 milliards d'euros. Des amis suédois ont relevé un autre détail. Derrière ce projet se cachait un groupe de pression très influent. Ils nous ont demandé si nous connaissions l'ERT, la table ronde des industriels européens. Non, je ne savais pas. Je me suis renseigné à leur propos. J'ai fouillé dans nos archives, mais sans succès. J'ai alors parcouru la presse spécialisée. Financial Times, The Economist, des journaux allemands. Et nous avons fini par dénicher une référence à un rapport récent intitulé « Reshaping Europe ». Comme nous étions intéressés, nous avons commandé ce rapport au siège de l'ERT. J'ai introduit une demande avec pour objet recherche. Je ne pensais pas obtenir quoi que ce soit, mais quelques jours plus tard, une épaisse enveloppe brune est arrivée dans ma boîte aux lettres. Elle contenait trois brochures. J'ai sorti les deux premières publications, Missing Networks, Missing Links. En les feuilletant, j'ai remarqué un détail étrange. Ça me disait quelque chose. Eurotunnel, Scanlink, le couloir des Pyrénées. Je suis retourné aux archives. Le projet Réseau Transeuropéen de la Commission. J'ai lu les documents, je les ai comparés dans tous les sens. Les similitudes étaient troublantes. Des projets pratiquement identiques. Comme si la Commission avait fait un copier-coller des propositions de l'ERT. Ma curiosité était piquée. J'ai repris Reshaping Europe. Il est question d'une rencontre à Dublin de 45 chefs d'entreprise, tous à la tête de multinationales pesant des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Fiat, Lafarge, British Petroleum, Hoechst, Nestlé, Shell, Unilever, Siemens et bien d'autres. Tous allaient dans le sens du livre. Ses auteurs, trois PDG, Jérôme Monod, Per Gullenhammer, et Visse-Decker. Puisque je vivais aux Pays-Bas, je connaissais Visse-Decker, le grand patron de Philips, l'une des plus importantes entreprises du pays. Per Gullenhammer dirigeait Volvo, un constructeur automobile. Et Jérôme Monod, la Lyonnaise des Eaux, une très grosse multinationale française. Les auteurs de ce rapport étaient donc à la tête de trois des plus importantes sociétés européennes. Ils avaient rédigé un véritable manifeste politique.
Le plus surprenant, c'était l'idée que ces trois chefs d'entreprise s'étaient réunis pour rédiger des recommandations sur la manière à adopter pour changer le visage de l'Europe. En avril 1990, quand j'ai quitté mon emploi à la Commission, je me suis dit qu'il valait mieux aller là où l'argent se trouvait. J'ai donc atterri à la Fédération bancaire de l'Union européenne en tant que lobbyiste. J'ai travaillé 9 ans pour la Fédération bancaire de l'Union européenne, où j'ai découvert un autre monde au sein de l'Europe, celui du commerce international. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Puis-je vous présenter? Christopher Taxel, le président de ESF. Vous savez, notre industrie est ici. Nous y mettons toutes nos forces. Le métier de lobbyiste exige un carnet d'adresses bien rempli. Une centaine de contacts sont vraiment essentiels à ma profession. Je dirais que mon boulot, c'est de créer des réseaux, faciliter les contacts, un peu comme un ambassadeur. Et un ambassadeur doit savoir à qui s'adresser. Je représente environ 80% des exportations et des investissements de services. Soit un chiffre d'affaires équivalent à 50% du PIB de l'Union européenne. Je ne crois pas vraiment à la chance. C'est un élément important, mais la plupart du temps, il faut la provoquer. Ensuite, il faut la saisir quand elle se présente. En décembre 1993, mon ONG tenait son meeting annuel à Bruxelles. Ce que nous venions de découvrir, la structure, l'influence de l'ERT, nous a réellement impressionnés. Il n'existait alors aucune étude académique sur le sujet, rien qui montrait la véritable influence que ces multinationales exerçaient sur la politique de l'Union européenne. Nous avions décrété que ce serait l'occasion rêvée d'attirer l'attention sur le rôle de l'ERT. Nous avons discuté de la marche à suivre et décidé de jouer un peu la carte de la provoque. La nuit précédente, nous avions rédigé un communiqué de presse. Tôt le matin suivant, nous nous sommes dirigés vers les bureaux de l'ERT. L'un de nous a sonné et s'est fait passer pour un étudiant venu récupérer des documents. Quand la porte s'est ouverte, nous sommes entrés dans le bâtiment et avons couru dans les escaliers jusqu'au bureau de l'ERT. Je m'en souviens très bien. Je sortais d'une réunion, donc nous devions être en milieu de matinée. Je suis entré dans le bureau et j'ai découvert tous ces calicots et ces visages que je ne connaissais pas. J'ai demandé, que se passe-t-il? Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe? Ils ont répondu, nous occuperons votre bâtiment et ils cherchaient probablement une confrontation ou encore l'intervention de la police qui les aurait jetés dehors. Mais je n'aimais pas du tout cette idée. J'avais de nouveau un déjeuner d'affaires. J'ai donc invité tous mes collaborateurs à l'extérieur et nous avons laissé les autres dans le bureau. La réaction de l'ERT nous a surpris. Ils sont entrés dans une autre pièce où ils ont apparemment discuté de la situation avant de sortir. Nous en avons profité pour faxer les communiqués de presse aux médias internationaux. Nous espérions que l'occupation du bureau de ce lobby très obscur mais très puissant les intéresserait. Mais les choses ont pris une tournure un peu différente.
Nous avons dû parler à un seul journal et seule une émission de radio s'est montrée intéressée. Pour le reste, c'était le silence total. Nous ne savions pas quand l'équipe de l'ERT allait revenir. Les tables étaient couvertes des documents de synthèse et de rapports. La pièce comptait également une armoire contenant des archives bien organisées. Nous avons rapidement copié un maximum de documents. On y trouvait des courriers, des exigences à l'attention des gouvernements européens et de la Commission européenne, et leurs réponses. Ces documents attestaient de leur véritable niveau d'infiltration, de leur profonde influence. Tout devenait clair. Quand nous avons remonté l'historique de l'ERT, nous avons découvert qu'ils ont commencé au début des années 80. À la commission, le membre le plus important était un Belge, Étienne Davignon. Il avait un passé de diplomate et d'homme d'affaires qui lui permettait de sentir les réels besoins. Il disait, « Si je veux parler au monde de l'industrie européenne, à qui dois-je m'adresser ?» Lorsque j'étais commissaire de l'industrie, ce qui me frappait, c'était la pauvreté des contacts entre la Commission et les acteurs économiques. Nous avions bien des contacts officiels avec les fédérations de l'industrie, mais pas avec les vrais responsables, les PDG. Et je sentais qu'il y avait encore un vide à combler. Et nous avons donc constitué un groupe d'industriels, la future ERT, dont l'objectif serait de faire entendre la voix des grands patrons. Les Agnelli pour Fiat en Italie, le néerlandais Wiesedecker pour Philips, le suédois Per Gyllenhammar pour Volvo, les gens de Siemens et les plus importants industriels de la chimie allemande, les Français, les Espagnols et les Anglais. Tous ces dirigeants des plus importantes entreprises européennes étaient disposés à débattre de politiques vraiment importantes avec les responsables des institutions gouvernementales européennes. Et quand tout ce petit monde rencontre un président de la Commission visionnaire comme Jacques Delors, ils se disent « Delors pense exactement comme nous. Pourquoi ne pas se réunir et échanger nos idées ? Nous venions de faire un grand pas en avant. » Je suis un médiateur. C'est probablement l'étiquette qui me correspond le mieux. Le mot « lobbying » est souvent connoté négativement. Pourtant, il ne s'agit que de réseaux et de contacts entre êtres humains. Bonjour. Bonjour. C'est un petit monde. Nous devons contacter de moins en moins de gens. Quand vous avez le bon carnet d'adresses, vous ne devez plus contacter qu'une petite centaine de personnes vraiment importantes. Les autres ne sont que des électrons. Les entreprises d'aujourd'hui sont mondialisées. Les sociétés américaines, chinoises, indiennes et taïwanaises sont mes alliés. Nous œuvrons pour un même idéal, l'ouverture du marché. Le lobbying prend du temps. Il s'agit de marteler le même message. Nous fonctionnons à long terme. Je ne prétends pas changer le monde en une nuit. Bonjour.
morning, Will. Thanks very, so very much for joining us this morning. L'Union européenne est née en 1993. Elle nous a été vendue comme un projet politique. Bien que les documents découverts en décembre indiquent une toute autre réalité. Y avait-il une autre idée derrière cette couverture? Quelque chose comme les projets réseau transeuropéen des membres de l'ERT. Les fichiers mentionnaient des rencontres régulières entre l'ERT et la Commission européenne. Le ton était étonnamment jovial et informel. Alors que tout cela avait lieu dans le plus grand secret. L'ERT et la Commission européenne travaillaient main dans la main. Missing Links fut publié en 1984. Tout de suite après, la Commission européenne crée un groupe de travail autour du même sujet. En janvier 1985, Vince Decker, le patron de Philips, présente son plan d'action en faveur du marché unique, intitulé Europe 1990. 10 jours plus tard, Jacques Delors, le nouveau président de la Commission européenne, fait un discours sur le marché unique au Parlement européen. Son intervention ressemble étrangement à celle de Vince Decker. Mesdames et messieurs les députés, en juin 1985, Lord Cockfield, vice-président de la Commission, publie son fameux livre blanc sur le marché unique, un simple copier-coller du plan Decker. Un sommet européen se tenait tous les 6 mois. Et systématiquement, l'ERT se réunissait quelques jours avant. Le lieu et la date étaient tenus secrets. Et les réservations étaient réglées 2 ans à l'avance. Un message clair à l'attention des chefs d'État qui allaient se réunir au sommet européen quelques jours plus tard. Adopter le marché unique, l'union monétaire, projet d'infrastructure, marché du travail flexible, dérégulation, dégraissage des services publics, mesures d'austérité, et ainsi de suite, tout l'arsenal néolibéral. Maria Gaines-Coles, une spécialiste américaine qui avait étudié le sujet, a confirmé notre point de vue. J'avais envie de faire quelque chose sur l'Europe et l'Union européenne. Je me suis entretenue avec quelques patrons d'entreprise, puis avec des chargés d'affaires. Chacun apportait sa pièce du puzzle. Ensuite, j'ai rencontré Keith Richardson. Keith et moi avons parlé de choses et d'autres. Il m'a fait part de quelques idées. Puis je suis retournée parler à d'autres personnes avant de revenir avec d'autres questions. Parfois, Keith avait une réponse, d'autres fois, non. Puis un jour, je pense que nous en étions à notre 7e rendez-vous. Je lui ai dit, je pourrais écrire quelque chose sur le sujet, je pourrais obtenir plusieurs entretiens, mais je voudrais vraiment voir les documents. Et il m'a dit, j'ai quelques cartons dans la cave de l'ERT que nous n'avons jamais ouverts. Ils datent des premiers jours, nous avons simplement déposé ces documents dans des boîtes. Au fond de moi, j'étais très intéressée, un peu excitée même. Je me suis dit, cette fois ça y est. Maria Greencalls a découvert un telex provenant de Vince Decker, le PDG de Philips. En décembre 1985, peu avant la signature de l'acte unique européen qui allait déclencher le processus du marché unique, il avait écrit au chef d'État. Le passage le plus important du document disait « Nous n'avons aucune idée de ce que vous allez faire, mais nous voulons des actes de votre part. Vous avez le choix. Si vous ne voulez pas d'un marché unique, nous serons peut-être obligés d'aller poursuivre nos activités ailleurs. »
Une menace à peine voilée. Le RT représente 60% de la capacité industrielle de l'Europe occidentale. Un chantage pur et simple. Pourquoi aucun gouvernement n'a-t-il rien dit de ce fameux Telex ? Ni des autres menaces qui ont suivi ? Ils étaient nos représentants, nous les avions élus. Pour nous, c'était une véritable trahison et nous devions réagir. Le public devait savoir ce qui se tramait. C'est pourquoi nous avons publié un livre. Nous avons rassemblé des données. Et nous avons mené des interviews clandestines. Eric était la personne idéale. À l'époque, rien de plus aisé que d'obtenir une accréditation de presse. Un magazine, un journal, et vous étiez journaliste. Ce n'était ni tout à fait faux, ni tout à fait vrai. Dès le milieu des années 90, le RT n'était que l'une des 2000 structures de lobby que compte Bruxelles. Fédérations professionnelles, groupes de consultance, bureaux d'affaires publiques, groupes de réflexion. Nous entrions dans le monde du lobbying. Au printemps 1997, nous avions enfin consigné les résultats de nos recherches et entretiens dans un rapport. Europe Inc. Nous avions projeté de lancer le livre lors du grand sommet européen d'Amsterdam. Tous les médias seraient présents. Nous étions très excités. Nous avions préparé le lancement une demi-heure avant qu'arrivent les premiers amis. Mais malheureusement, à quelques exceptions près, la presse n'a pas répondu à l'appel. Malheureusement, notre première sortie publique est passée complètement inaperçue. Évidemment, nous étions très déçus. Nous pensions avoir composé un ouvrage très intéressant et bien présenté. Le manque d'intérêt des médias nous a fortement déçus. Nous venons de conclure un exercice très ambitieux d'ouverture de marché et de prise de décision. Et nous avons aussi renforcé les règles des échanges multilatéraux. Plus important encore, nous venons de consolider et d'élargir l'Organisation mondiale du commerce. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les négociations de l'AGCS, je me suis dit, ça, c'est intéressant. C'est ça que je veux faire. Nous sommes parvenus au terme de la plus vaste négociation commerciale. Vous, les 117 négociateurs ici présents, vous, les représentants de gouvernement, venez d'accomplir un travail extraordinaire. Avec notre accord, je proclame donc l'Uruguay Round clos. Grâce à son PIB très élevé, le marché interne de l'Union européenne était en passe de devenir un marché très important et très riche. Lorsque l'Union européenne négocie en un seul bloc à l'extérieur, elle pouvait s'appuyer sur sa position de plus gros exportateur, importateur et investisseur étranger. Pourtant, Sir Leon Brittan, le commissaire au commerce de l'Union européenne, se plaignait chaque fois lors des négociations avec les États-Unis. Il savait son homologue soutenu par les patrons des grandes banques et compagnies d'assurance qui lui demandaient « Faites ceci pour moi, faites ceci pour nous ». Par contre, quand Sir Leon Brittan cherchait du soutien, il ne trouvait que quelques ministres qui lui disaient « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites ceci, mais pas plus ». Autant dire que ça ne lui plaisait pas tellement. À Washington, nous avons découvert tout un univers de lobbyistes qui exigent de leur gouvernement qu'ils défendent leurs intérêts pendant les négociations. Nous avons pensé que nous devions en faire autant, car il y a une réelle demande de la part des institutions européennes.
les institutions européennes ne doivent pas se fier aux seules informations reçues des États membres et des experts qui peuplent les ministères des Finances, mais elles doivent les obtenir directement auprès des banques et compagnies d'assurance. Un jour, Leon Brittan, le commissaire européen au commerce, s'est dit « Ces associations ne savent pas vraiment ce qui se passe. Je vais inviter à dîner les 40 PDG des plus grandes entreprises de services européennes. Les grandes banques, compagnies d'assurance, sociétés de télécom, de distribution, de transport, de tourisme. Tous ces secteurs réunis représentent environ 70% du PIB européen. Il a donc invité une quarantaine de personnes. Après le dîner, il leur a dit « Maintenant que vous avez été régalé par la Commission, vous me devez quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour moi. » Les gens pensent parfois que la Commission sort ses idées d'un chapeau et les met en avant. Ce n'est pas ça du tout. La Commission est très réceptive aux idées des acteurs économiques, car ce sont eux qui vont nous aider à choisir ce qu'il faudra mettre en avant dans l'intérêt de l'Europe. C'est de là que vient l'idée de créer un réseau d'associations et d'entreprises poussant les intérêts du secteur privé dans le commerce des services. C'est comme ça que je suis devenu directeur du European Service Forum. En janvier 1999, nous avions 11 mois pour préparer Seattle, la première conférence ministérielle de l'OMC après sa création en 1994. L'idée était de saisir cette opportunité pour lancer le Millennium Round, pour lequel Sir Leon Brittan s'était battu. Sir Leon Brittan n'est jamais allé à Seattle. La commission entière a dû démissionner suite à la gigantesque affaire de fraude impliquant plusieurs commissaires. À Seattle, pendant ce temps, le Millennium Round prenait une tournure plutôt inattendue. Je séjournais à l'hôtel Hilton, à 500 mètres du Sheraton où devait se tenir la conférence. Malheureusement, je n'ai pas pu sortir de l'hôtel à cause d'un policier et d'un manifestant couché devant la porte. J'ai demandé, puis-je sortir, s'il vous plaît? Je dois faire mon travail. Je devais assister au lancement du Seattle Round. Il devait introduire une nouvelle phase de négociation en vue de la libéralisation des services. Je me souviens que le commissaire Lamy a pu atteindre sa voiture, mais qu'il n'a pas pu s'en servir parce que des gens bloquaient le passage. Et pas un seul policier pour dire... Reculez de quelques mètres, s'il vous plaît. Laissez cette personnalité faire son travail. Plusieurs ONG prétendent que l'ESF est une organisation secrète qui organise des rencontres clandestines avec la Commission européenne. Pourtant, tout se trouve sur notre site web. Je ne fais que mon travail, qui est de contacter les gens de la Commission en charge de mes dossiers. Si quelqu'un d'autre souhaite en faire autant, les numéros de téléphone sont sur notre site web. Je ne fais que mon travail, rien de très spécial. Si la Commission entretient certains rapports avec l'ESF, c'est parce qu'elle a besoin des informations que le secteur des services doit lui fournir pour qu'elle puisse négocier en son nom. Car c'est bien de cela qu'il est question. Ce sont les sociétés qui font du commerce, pas les ONG. Nous voici au dîner annuel des Amis de l'Europe, une organisation bruxelloise très importante. Toutes ces personnes viennent de pays, de secteurs professionnels et de milieux différents. Mais tous sont réunis autour des mêmes questions. Comment l'Europe peut-elle se développer? Comment corriger les erreurs? Et comment encore améliorer ce qui a déjà été réalisé? C'est ce que nous appelons un groupe de réflexion. Les groupes de réflexion comblent une partie du vide laissé par l'absence de débats publics européens. Ils s'engouffrent dans la brèche et organisent des sortes de débats au sein de la bulle bruxelloise. Vous avez des politiciens locaux et européens, des fonctionnaires, les redoutables eurocrates, des diplomates, des hommes d'affaires, des professeurs d'université et bien d'autres encore. Vous savez,
Bruxelles est un peu comme un village. Tout le monde se parle. Quand je travaillais pour l'ERT, je devais notamment veiller à maintenir les contacts. Les groupes de réflexion ne sont pas des lobbies à proprement parler, mais ils peuvent y être assimilés. Les entreprises y font appel pour faire entendre leurs exigences et leurs points de vue. Tout dépend essentiellement des fonds consentis par l'industrie. Plusieurs personnes parrainent cet événement, notamment Microsoft. Les Américains sont bien implantés en Europe. Microsoft est l'un d'entre eux. Pourquoi pas? À Bruxelles, certains groupes de réflexion directement financés par l'industrie pétrolière avaient pour mission de vérifier l'existence réelle du problème de réchauffement climatique et de déterminer dans quelle mesure les gouvernements devaient réagir pour réduire les émissions de CO2. Vous pouvez créer des instituts de recherche qui fourniront les données nécessaires pour asseoir votre position. Vous pouvez lancer des campagnes de communication massive et inonder les médias de vos informations. Il arrive même que de fausses ONG soient créées, comme lors de la bataille entourant la loi sur les brevets de logiciels. Vous aviez tout à coup ces publicités pour une ONG censée représenter les petites et moyennes entreprises, mais qui en fait était financée par Microsoft et SAP. En fin de compte, tout n'est qu'une question d'argent. En principe, la démocratie, c'est une personne, un vote. Néanmoins, dans le Brussels business, c'est plutôt un euro, un vote. Ce qui nous dérange, c'est que nous ne savons rien des sommes brassées en coulisses. Nous ne savons pas ce que coûte le lobbying, qui le finance, ni quels sont les objectifs visés. Il faut réinstaurer le contrôle démocratique. Il faut que le rôle des lobbies dans les processus décisionnels de l'Union européenne soit évident. Nous devons savoir quel est le rôle de sociétés telles que Monsanto ou Shell et de gouvernements étrangers comme celui de la Chine ou de la Russie dans les décisions prises à Bruxelles. L'un de mes premiers témoignages devant la Commission européenne fut une expérience très révélatrice. Un des commissaires m'a interrompu pour me dire « Nous comprenons très bien les problèmes que vous avez rencontrés avec les lobbies à Washington. » Puis il ajouta « Mais nous sommes à Bruxelles, en Europe, et ce genre d'activité n'a pas cours ici. » Je suis resté bouche bée. Comment pouvait-on être si naïf? Et je lui ai tout simplement répondu « Très bien, je vous concède que de nombreux lobbyistes de la Key Street et du reste du pays sont probablement corrompus. Cependant, je sais que chaque grand lobby américain possède une antenne à Bruxelles, dans votre berceau, chère Europe. Si vous pensez que nous sommes si corruptibles et si malfaisants, ne voulez-vous pas savoir qui nous sommes ? Qui sont nos mécènes? Est-ce que nous allons vous demander de faire pour nous? Nous souhaitions imposer une régulation des lobbies depuis longtemps. Mais en 2004 est apparue une nouvelle commission qui incluait pour la première fois 10 pays d'Europe de l'Est. En automne 2004, dès les premiers jours de la commission Barroso, nous avons adressé une lettre ouverte à son président, José Manuel Barroso, signée par plus de 50 ONG. Je tiens à vous dire que je suis parfaitement conscient que ce vote de confiance implique aussi une énorme responsabilité de ma part. Nous allons travailler dur, donner le meilleur de nous-mêmes pour l'Europe, les institutions de l'Union européenne
et tous nos concitoyens européens. La réponse tenait en une lettre très formelle, très courte, quelque chose du style « Nous avons bien reçu votre lettre et nous vous en remercions ». C'est très intéressant, mais aucune réaction substantielle. Nous avons donc envoyé une lettre similaire à tous les vice-présidents de la Commission. Puis un beau jour, vers la fin du mois de février, nous avons été contactés par le bureau de Siim Kallas. Le commissaire estonien en charge de l'administration nous invitait dans son bureau. Nous nous sommes rendus dans le bureau de M. Kallas, quelque part tout en haut du bâtiment. Nous ne savions qu'attendre de cette rencontre. Nous n'avions jamais été contactés par un commissaire auparavant. Nous étions assez excités. Monsieur Kallas nous a reçus en personne, flanqué d'un des membres de son cabinet. Dans sa main, il tenait une brochure qui nous a fait sourire. Il s'agissait du guide Lobby Planet de Bruxelles, un livre coécrit par Eric et moi et tous nos collègues. Il propose un regard ironique mais très critique sur l'industrie du lobbying. Lorsque j'ai débuté en tant que commissaire de l'administration, j'ai immédiatement senti que de très gros soupçons pesaient sur le processus décisionnel de l'Union européenne. Évidemment, je me faisais alors un devoir de dissiper ces soupçons. Monsieur Kallas nous a affirmé qu'il allait lancer une initiative européenne de transparence dans laquelle nous avons immédiatement entrevu une formidable opportunité politique. En tant que spectateur des affaires bruxelloises, il savait l'idée que le citoyen lambda se faisait de Bruxelles. Il s'est donc attaqué à l'industrie du lobbying. La Commission européenne est convaincue que les activités des groupes d'intérêt sont légitimes et contribuent valablement au processus décisionnel. Toutefois, il convient de faire preuve de transparence. Il est important que la Commission sache qui sont ses représentants, pour le compte de qui ils agissent et dans quel contexte financier. J'ai mis énormément d'énergie à préparer, à donner ce discours. Il traçait les grandes lignes de la transparence et indiquait la marche à suivre. Il a évidemment suscité pas mal d'intérêt, mais aussi de réactions controversées. Sans transparence financière, nous ne pouvons pas savoir qui se cache derrière ces campagnes. Un peu de réglementation ne va sûrement pas nuire à notre réputation auprès des électeurs. La transparence ne doit pas empêcher notre contact avec la vie, avec les groupes d'intérêt ou pas. Je suis certain que le commissaire Kallas comprend cela. Quand l'Union européenne s'est penchée sur l'initiative européenne en matière de transparence, elle a souhaité obtenir des informations sur la situation américaine. Par conséquent, j'ai été appelé environ une demi-douzaine de fois à témoigner devant la Commission européenne et le Parlement européen. J'ai été sincèrement très impressionné par Siim Kallas quand nous avons commencé à travailler ensemble à la Commission européenne. Siim Kallas a vraiment soulevé la nécessité de transparence. Au début, il croyait fermement en un système de divulgation obligatoire qui offrirait une réelle transparence. Mais en cours de route, Siim Kallas s'est trouvé confronté aux réalités politiques. Exténué par 3 années de bataille politique, Siim Kallas est monté à la tribune pour annoncer le lancement d'un registre des lobbies. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui est un jour assez particulier. Il y a 3 ans, j'ai proposé la création d'un registre des lobbies. Celui-ci s'ouvre aujourd'hui dans le but d'offrir plus de transparence et plus de légitimité au processus décisionnel de l'Union européenne.
Nous avons proposé une participation volontaire, car je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'agir et que c'est ce que tout le monde attend. C'est un moment important, car il marque un changement culturel de cet aspect du processus décisionnel des institutions européennes. Contre toutes les recommandations des ONG et des experts, Siim Kallas avait proposé un système de participation volontaire. Il n'avait pas pu faire mieux. Depuis 2 ans, nous essayons de savoir qui a fait obstacle aux intentions originales de M. Kallas. Les autres commissaires? Le secrétariat de la Commission? Les lobbyistes eux-mêmes? Un mois après le début de la crise financière d'octobre 2008, José Manuel Barroso a mandaté un groupe de supervision financière indépendant et de haut niveau. Ce groupe devait élaborer des propositions visant à réguler les marchés financiers et trouver une solution à la crise financière et économique. Il se composait de 8 prétendus sages. Jacques Delarosière, Rainer Macera, Onur Ruding, Otmar Issing, Callum McCarthy, Leszek Balcerowicz, José Pérez Fernández et Lars Nyberg. En nous renseignant sur l'indépendance de ce groupe, nous avons fait quelques découvertes surprenantes. Delarosière est co-directeur d'une structure de lobby financier. Macera est en cheville avec Lehman Brothers, Ruding avec Citigroup et Issing avec Goldman Sachs. McCarthy, Nyberg et Balcerowicz sont des professionnels de la dérégulation. Et Pérez Fernández offre des renseignements sur les marchés financiers aux grandes banques. 3 de ces 8 protagonistes étaient directement liés aux banques américaines qui ont provoqué la crise. Balcerowicz est aussi étroitement lié au groupe de réflexion américain de droite tel que l'Institut Cato, l'un des plus proches conseillers de l'administration Bush. Il était aussi impliqué dans des groupes de réflexion néolibéraux à Bruxelles, en Pologne et au Royaume-Uni. Pas un seul de ces sages ne défendait une régulation stricte. Pas un seul n'affichait une réelle indépendance. Et pas un seul ne permit de sortir de la crise financière. On ne retiendra à leur actif que le déversement d'un flot important d'argent vers les banques. Merci. Toute cette affaire donne un sentiment de déjà-vu. Ces mêmes institutions financières qui ont pu sortir la tête de l'eau grâce à l'argent des contribuables amassent aujourd'hui de véritables fortunes sur le dos de la Grèce. Alors que les contribuables payent actuellement le prix fort en voyant leurs salaires et leurs services sociaux sévèrement réduits. Après 20 années de dérégulation et de libéralisation, l'Europe elle-même était sur le point d'exploser. L'enjeu n'est pas seulement l'Union européenne, mais c'est aussi la démocratie et l'avenir des valeurs qui nous sont chères. Était-ce vraiment cela que nous voulions ? Sommes-nous naïfs de nourrir l'idée d'un rêve européen?
la nature humaine a ses mauvais côtés. Tout le monde a de mauvais penchants et il faut s'assurer de ne garder que les bons. C'est pour cela qu'il faut une réglementation. La société a besoin de règles. Sans quoi, les gens roulent trop vite sur l'autoroute. Ils ne respectent plus les autres et le plus fort s'impose. C'est ça, la nature humaine. C'est pour cela que nous avons développé des règles, pour nous permettre de vivre ensemble. Et c'est aussi pour cela que nous avons élu une autorité que tout le monde respecte.